Ce 22 octobre, la salle de presse de la présidence a servi de cadre pour le lancement de la campagne de sensibilisation Octobre Rose des agents féminins de la présidence de la République par la Fondation Mabanière. La cible sont donc les femmes qui travaillent au niveau de la présidence, donc des femmes adultes. Et l'intérêt était donc d'aller en communauté, comme nous le faisons aujourd'hui, de faire la promotion de la santé communautaire en sortant de l'hôpital et aller sensibiliser dans des communautés comme ici aujourd'hui à la présidence. Le but de cette campagne reste le même, promouvoir l'importance du dépistage précoce et régulier pour réduire la mortalité liée à ces cancers au Gabon. Les prochaines étapes, donc immédiatement, c'était de passer maintenant aux travaux pratiques, donc de montrer comment on fait l'autopalpation. Et plus tard, donc, de descendre, puisque les cancers du sein et du col, on les a mis ensemble durant Octobre Rose pour faire les dépistages. Donc, c'est aller vers l'infirmerie pour faire donc les dépistages du cancer féminin et de voir avec l'équipe qui est ici comment transférer ces pratiques-là, ces connaissances, pour que tout au long de l'année, pas plus, on voit dans quelles conditions elles peuvent toujours accéder au dépistage au-delà du mois d'octobre rose. Cette initiative portée par la fondation de Zita Oligingema est une action de plus qui démontre l'engagement des autorités du pays à mettre en action particulier sur la santé publique au Gabon. Il est important de préciser que cette campagne s'étendra tout le long de ce mois d'octobre dans divers établissements de santé et administrations du pays.